Salutations à tous. Salutations à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réagir à un son de Trippie Redd qui est sorti. Le son s'appelle To Fly. Je crois que le son était déjà sorti avant. Le clip vient de sortir maintenant, si je dis pas de bêtises. Et on va écouter ça tout de suite. Trippie Redd, Maybach with the curtains in is perfect like my mama, yeah. I just fucked a bitch, she was too fly. I just made a half a million too fly. I just pulled a fruit in my soda pop. I just rolled me up an L, I'm smoking dead ops. I'm sitting back seeing she went away, had to realize I had two eyes. Niggas be talking that good, but they pull on the block and it's suicide. I hang with the killers and murderers, don't be a victim to homicide. Givenchy Chanel, ringing the bells. More commie on my body, I pop oxys, not no ollie. King of the hill, father figure, just like Vic. Swear to bottom, speaking of hills, I keep me a Tommy. Bitch, I'm a dime, but don't call me Donnie. We got the rounds, we shoot at your body. She was les giga chauds, ce mec. Les giga chauds. La prod aussi. Niggas be talking that gunplay, they pulling the block and it's suicide. I hang with the killers and murderers, don't be a victim to homicide. Givenchy Chanel, ringing them bells. Red guy, I'm a red guy. Pull up on the block, shoot your headshot. And that bitch take a red eye. Smoking dope, I got red eyes. I'm high as hell, y'all. Ceux qui arrivent là. Peut-être pas. Ah, il y a Tony qui est là. Il y a du monde, hein. Pour un clip, il y a toujours du monde. Hein. C'est dingue, hein. Gros travail. Gros travail, franchement. Énorme travail. Que dire? Le son est très très lourd. Ça, tu sens que c'est vraiment les rappeurs qui sont vraiment qui ont une personnalité. Tu sens que ce mec il a une personnalité de part. Ouais, le personnage, il est un peu je sais pas, qui est un peu spécial. Il a juste une coupe de cheveux différente des mecs que l'on peut voir. Les tatouages un peu partout, tu vas me dire c'est récurrent, mais voilà, c'est un peu plus placé différemment, donc ça peut changer entre guillemets. Donc il a son personnage à lui, mais sa voix elle est un peu grave, un peu genre rocailleuse, je sais pas si ça se dit, un peu rock, un peu. Il a son personnage, voilà, il a sa voix, il a son truc à lui. Et ça passe beaucoup, il fait ça propre, il fait ça énormément, il a son style, ça veut dire que le mec quand il arrive dans la cabine, il kiffe, il prend plaisir de ouf, il arrive, il fait sa voix, c'est une grosse voix ou pas? Up in the Molly, I just pop the perks. Heard you hating, is it working yet? I'm so up, your boxes, not no
je sens quand même qu'il a une grosse voix quand même. Après, ça, c'est pas non plus grosse, grosse, grave, mais il a son truc. Il arrive, tu sais que c'est lui qui va fitter sur 10 feet, tu vas le sentir que c'est lui qui est au milieu, au troisième, au cinquième, des trucs comme ça. Mais voilà, que dire, la prod est pas mal. Voilà, franchement, tout colle bien avec l'ambiance. Le clip aussi, super bien réalisé. Le son colle bien avec la vidéo et la prod, colle bien avec la voix, super bien. Tu sens qu'il y a de l'autotune, mais des fois il n'y en a pas trop. Et quand il y en a, les ricains ils sont forts pour le faire à la Travis Scott, tu vois, tout ça un peu. Après, je sais pas si on peut dire à Travis Scott, mais voilà, c'est le style qui revient souvent, l'autotune qui va être maîtrisée. Et après, d'un coup, là, tu vas être à fond de l'autotune, mais ça rend tellement bien. Ça fait vraiment un style, genre un effet 3D entre guillemets, genre tu vois le rouge bleu qui sort comme ça là, ça fait avec la voix. Moi je le vois un peu visuellement comme ça l'autotune, genre qui est un peu en 3D quoi. Et voilà, ça marche super bien, la prod est lourde, le son est lourd. Et voilà, je me suis pas énormément penché sur ces mecs, je me suis penché plus à l'époque. Maintenant je me suis vraiment calmé, je dois vraiment me remettre dessus. En faisant mes vidéos réactions, je vais me remettre doucement. Doucement dessus, et voilà, ça va me refaire une autre playlist, une autre découverte de nouveaux artistes, etc. que j'ai pas, je suis pas allé cliquer. Pourquoi? Parce que je connais pas le nom, parce que je l'ai pas vraiment entendu, ou j'ai pas vu qu'il a fitté avec Kanye ou Drake ou Lil Wayne ou Travis ou pas une prod de Mike Dean, etc. Donc intéressant, pas mal. Il a pas mis un lien produit, je verrai après. Donc en tout cas, très lourd, très lourd. Moi je kiffe, c'est vraiment un bon petit son, très bon, très lourd. Donc voilà, je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.